Kevin, for the kind words and for that introduction. So as Kevin said, I'm a breeding lead at Dryland Crops at CIMMYT. And as he mentioned, this is a new program we started at CIMMYT. What I'd like to do is take a couple of minutes here just to introduce this program to all of you, and also so help you understand, you know, how we can work together with CIMMYT and the CGNARS network we are setting up. So first of all, you know, as many of you heard, through the various social media and through your linkages with CIMMYT, that CIMMYT has just released this month 2030 strategy. And in that strategy, you know, we have identified five major programs that includes wheat, maize, and which has been our traditional programs at CIMMYT, genetic resources, which has been there since many years, and also sustainable agri-food system, which is also a newly formed program, you know, by taking into account other programs which were at CIMMYT. And what I have highlighted here is the dryland programs, which is a newly created program at CIMMYT just recently. And I would like to encourage you to visit our strategy page on CIMMYT website. And I think what you'll find is the dryland crops are quite critical for us to deliver all of the five objectives of CIMMYT's new strategy. Now, what are we doing to achieve those objectives of the strategies? And one of the objectives of strategies around partnerships. And what we're doing is we're creating a crop improvement networks. So these networks are currently are being created in Africa by bringing together 17 different national agriculture research and extension systems. So these NARS program, you know, have their own breeding programs. And so we're bringing these breeding programs together under the aegis of what we are calling you know, crop improvement networks. So the aim of this crop improvement network is to together design and develop the strategies for those two regions, which are highlighted on the graph here, on the map here on the right, which are Eastern and Southern Africa regions shown in the red color, and the Western Central Africa region shown in the green color. And the idea here and the mantra is to co-design, co-develop, and co-implement. And in this case, CIMMYT is catalyzing the development of this network for sorghum, pearl millet, groundnut, finger millet, pigeon pea, and chickpea. And then we're working with our colleagues at IITA and SEAT for cowpea and common bean. So millets are key part of, you know, developing this crop improvement network. So you might ask, you know, why, you know, need of this crop improvement networks. The first and the, I mean, short to medium term need is really... Nous sommes en train de constituer ces réseaux. Eh bien, tout d'abord, c'est pour soutenir les points forts de chacun des pays alliés. À droite ici, nous avons la route pour générer l'intelligence des marchés, pour analyser les différentes étapes à suivre, pour comprendre le système de production des graines. Donc, nous avons aussi la capacité pour pouvoir soutenir les forces complémentaires que nous pourrons réunir à la recherche de ce but. L'objectif à long terme est que chaque pays arrive à sa atteint sa propre sécurité alimentaire, considérant les défis à relever que, en raison du changement climatique. Donc, il y a aussi la nécessité de développer une capacité au niveau système dans toutes les régions qui sont les régions pour travailler, qu'ils ont été choisis pour nous. Donc, nous avons besoin de catalyseurs pour le développement de ces capacités en conjointement pour atteindre ces objectifs. Comment y parviendrons-nous? Et pour ceci, il nous faut des programmes à l'échelle partagée à l'échelle régionale pour l'amélioration des cultures. Comme je vous dis, ces pays se réuniront pour faire le design d'un programme spécial pour le sorghum. Et nous aurons ici la plus grande incidence par le biais de ce programme. Nous devons également travailler sur les capacités générales avec les réseaux dans trois domaines, qui sont la qualité et les types de variétés qui se trouvent sur le marché et le procès de développement de variétés par les nouvelles approches de sélection et l'échelonnage
des différentes variétés pour les producteurs, considérant leurs capacités et leur infrastructure, et aussi le développement sur la base des besoins et les conditions où se trouvent les usagers et producteurs. Qu'avons-nous réussi, obtenu jusqu'à présent? Nous avons le groupe d'Afrique de l'Ouest, comme nous voyons ici, et nous sommes maintenant en train de constituer des équipes transdisciplinaires pour chacune des régions, et nous avons des comités dans chacune des régions qui sont en train de conformer leur réseau. Côté technique, nous sommes en train de produire en train d'étudier les secteurs du marché intéressés et nous sommes à point de terminer les programmes d'amélioration par culture, par pays en indifiant. Fingerprinting of the germplasm and the material. Et les besoins, les capacités de développement for this shared breeding program. And this is sont issus de l'ADN pour étudier comment nous avons l'appliqué dans nos programmes. Voilà donc la dernière diapo qui nous montre ce que nous sommes en train de faire au sein du CIMIT. Nous sommes en train de développer les capacités pour soutenir les capacités du CIMIT qui se trouve à l'Institut, notre institut au Sénégal, et nous travaillons aussi avec nos partenaires internationaux. Sur ce, je conclue mon intervention. Je vous remercie de l'opportunité de prendre part à cette conversation. Merci, Dr. Marij Gandhi. Je vous remercie. Je vous rappelle à tous que nous avons ici le bouton de courrier pour inclure vos commentaires sur le chat. Donc, nous aurons quelques minutes, nous consacrerons quelques minutes aux questions-réponses que je présenterai alternativement. Maintenant, je vous présente la Dr. Marlingham, qui a une maîtrise en génétique et amélioration. Mariam Dawood, qui travaillait au Nigeria. Elle a gagné le concours à l'Université de Cambridge et elle détient un doctorat de l'Université du Ghana. Mariam a 12 ans d'expérience en amélioration des graines et elle travaille actuellement au sein de l'Institut des recherches du Tchad pour le Nigeria. Il y a trois variétés de millet que nous devons à son intervention. Elle se concentre maintenant sur la bio pour combattre la désnutrition. Elle a plus de 24 publications à son compte, des publications d'ordre scientifique, qui tout ceci fait partie de son travail. Donc, c'est pour moi un plaisir énorme de présenter Mariam Dawood, qui nous parlera de l'importance du millet. Donc, je remercie de votre merveilleuse présentation. Je parlerai de l'importance du millet en termes de résilience, nutrition, chaîne de valeur dans le cadre du changement climatique. Mon intervention inclura les points suivants. Donc, avant de converser, j'aimerais vous parler d'abord sur... Il y a peut-être certains assistants ne savent pas que le millet, eh bien, s'agit d'une céréale de zone tempérée. Le sorghum est également considéré une variété de millet. Ces genres de millet sont cultivés en Inde. Mais parlant de l'Afrique, tout simple, le millet perlé est le seul qui est cultivé en Afrique. Donc, voyant cette diversité, en raison de cette diversité, nous voyons cette distribution dans divers régions. La zone de production est dans la région aride et semi-aride en Asie et offrit en Inde, en Afrique occidentale et centrale. Quelque chose, le millet est moins tolérant, très tolérant à la sécheresse, c'est un grand avantage. Ceci permet de le cultiver sur de plus grandes zones.
des zones plus étendues. Donc, on peut le cultiver aux endroits où la précipitation de moyenne sont de 250 mm. Aussi, il tolère également des températures élevées et même dans ces conditions, le millet produira ses grains. Il y a dans le cas du maïs, du millet et du sorghum, sont reconnus pour leur tolérance à haute température. Et nous voyons ici qu'il y avait, avec des différences de 1,5, il y a eu des impacts négatifs sur le maïs, mais non pas sur le sorghum et le millet. Donc, dans le cas du maïs et du sorghum, il y a des dommages en cours. Le maïs et le sorghum en cours des dommages, tandis que le millet, non. C'est donc une culture appropriée pour les zones arides. Donc, voilà pourquoi les améliorateurs, ont observé que les températures inférieures, la production est moindre. Ceci permet diminuer l'inversion, l'investissement tout en accroissant le rendement. Et ceci est très important en termes d'agriculture durable. Et voilà pourquoi il est important pour la plupart des agriculteurs de le mettre en place, de mettre en place cette culture. Donc, c'est une culture à double propos. C'est-à-dire, le millet sert vers le fourrage et d'aliments humains. 70 % de la population humaine, de la population mondiale humaine est des manquements en fer et le millet peut attaquer la désnutrition et parce qu'il contient également du potassium, du phosphore, du magnésium. Il contient évidemment vitamines que de riboflavine, niacine et thiamine et est très digestible. Il y a peu d'indices d'index omics. Donc, ceci est très bien pour les patients diabétiques. Donc, pas beaucoup de glucose. Donc, le millet est bon pour fabriquer des pains, des biscuits libres de gluten, pour des petits plats sans gluten, pour des pâtes alimentaires et les farines. Le fourrage aussi, et pour la nourriture pour les mamans allaitantes et aussi pour les nourrissons. Donc, ceci, c'est quelque chose qui me plaisir de voir parler du terme en termes de génération d'emploi également et génération de ressources, de revenus de jeunes femmes jeunes et plus âgées travaillent sur cette chaîne de production. Considérant tous ces aspects positifs du millet, et donc, il faut un investissement plus fort dans ce domaine. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, au cours des dernières 30 années, la production n'a pas varié depuis 1992 à 2020, qui a été presque la pareille. Il y a certaines céréales dont la production s'est accrue, dont le blé, par exemple. Et aussi, nous voyons observons le même phénomène dans le cas de la production, la même tendance. Le millet n'a pas augmenté comme dans le cas d'autres céréales. Une des raisons pour cela est que plus de 50 % de les zones cultivables sont cultivées par des petits producteurs sur des terres marginalisées et ces producteurs ne sont pas en mesure d'acquérir les intrants qu'il leur faudrait pour cela. Cette situation n'améliorerait que si les producteurs accroissaient leur accès au marché, amélioraient leur accès au marché. Merci. Merci. Cette intervention, ça me donnait faim de regarder tout ce qu'on peut faire avec le millet. Comme je vous répète l'intervention, je récousine les assistants que nous avons le panel de questions et de réponses. Donc, vous pouvez nous écrire vos réponses pour que nous répondions le moment voulu. Une fois qu'aura conclu son intervention, notre troisième participant. Donc, demain, de la docteure Malégar Govindarash,
est un très scientifique ancien et qui a reçu le prix Norman Borlaug pour la recherche et l'application en 2022. C'est un prix octroyé à des scientifiques, jeunes scientifiques de moins de 40 ans, et on leur donne en même temps, ils reçoivent un prix en même temps que celui pour l'alimentation mondiale qui est octroyé également en même temps. Donc, nous avons le plaisir de compter sur la présence de la docteure Govinda Raja. Elle a été reconnue, son leadership a été reconnu dans le travail de culture et surtout, elle travaille surtout dans les programmes d'amélioration pour le Millet, dans le cas du Millet en particulier. Elle a dirigé des initiatives de distribution qui ont résulté un usage accru de tous ces matériaux et qui offre 80% de la quantité recommandée des minéraux qui sont nécessaires. Donc, elle nous parle aussi de 20 000 exploitations familiales, pardon, et un grand pourcentage de la population consomme de millet et grâce à elle et grâce des variétés qu'elle a exploitées, son influence s'est étendue jusqu'au Nigeria et au Sénégal. Nous sommes heureux de compter sur son intervention aujourd'hui. Bienvenue, ma docteure Govinda Raja. Merci, Kevin. Quel plaisir. Quel plaisir de savoir comment, de t'entendre parler comme ça de moi. Bon après-midi, bonsoir, bonjour, chers amis, collègues et partenaires. Je vous remercie de l'opportunité de me permettre de parler de l'accroissement de la culture du millet. Il y a plusieurs approches en ce sens. Ceci pourrait être par l'amélioration d'une variété de techniques. Je vous parlerai comment nous générons ceci avec la collaboration des alliés en Inde et en Afrique pour que vous puissiez prendre. Nous avons un grand nombre de défis à relever du fait que un très grand nombre de personnes croient que la fortification est quelque chose qu'on peut faire rapidement. Notre principal défi est 3 milliards de personnes ne reçoivent pas les minéraux, les vitamines essentielles pour à leur santé. Et dans leur régime quotidien ne contient pas tous les éléments dont ils ont besoin. Donc, pour ce qui est de la révolution verte, la production de céréales a un grand travail à déployer et nous devons, c'est une activité que nous devons apprécier et qui devra se fonder sur des principes tels que la nutrition. Donc, il est important de savoir que la production des céréales n'a pas apporté solution à la situation de malnutrition, comme le disait le docteur Borloo. Et maintenant, le moment est venu de considérer la production de céréales parmi les aliments qui donneront la sécurité alimentaire ainsi qu'une sécurité nutritive. Donc, c'est notre responsabilité, nous tous, d'assurer que cette approche de fortification n'est pas le seul remarqué. Donc, je vais vous citer quelques exemples de la production d'aliments pour la santé dépend de certaines variétés de culture. Je ne vous montre pas toutes les variétés qui existent depuis la Révolution verte, mais dans le contexte de cette intervention, je vous présente le scénario de la production pour le millet au cours des 4 dernières décennies. Donc, la production de l'Inde de sorghum, de millet rouge et de millet perlé.
et d'autres variétés mineures de millet. Donc, les variétés que nous avons eues ensemble, on a présenté plusieurs sources d'informations. Et bien sûr, il y a besoin d'un plus grand investissement, surtout cette année internationale pour le millet. Et je vous dis que la production des nourritures devra se fonder sur la production de ces cultures en particulier. Il faut considérer les générations prochaines. Considérant le climat, la production et de quelle façon, comment nous pourrions nous prendre des décisions systématiques considérant quelles cultures et quels nutriments devront être bio-fortifiés. Nous avons les variétés bio-fortifiées et en fer. Et donc, ces décisions sont également influencées par l'information obtenue par l'intermédiaire des données donc, que nous obtenons. Nous avons aussi ici un exemple de comment les producteurs et les preneurs de décisions doivent concentrer leur réflexion. Comment intensifier la biofortification? Nous avons nous avons ces objectifs de référence et sur ce rapport des 10 organisations mondiales. Et je crois que nous avons ici un programme mondial de biofortification et ceci est dans les pays et une plus forte prévalence dans les pays en développement. Donc, il faut aussi connaître les objectifs en termes de nutriments. Ce n'est pas l'objectif du contenu en grains parce que il s'agit d'accroître les micronutriments et vitamines essentielles qu'ils contiennent. Ceci pourrait avoir un impact sur la santé qui sera mesurable par la suite. Et tout ceci avec les équipements de développement ont établi l'objectif de référence et l'objectif dans le cas de chaque culture. Je vous parlerai donc du millet l'objectif de référence est de 77, l'objectif mondial est de 83%. Donc, je remercie à tous les. Il y a d'autres cultures qui prennent part inclus dans ce programme. Nous pouvons voir ici que dans le cas, le calcium est un minéral important, de même que le sélénium. Et quant au millet des champs, nous avons une étude de faisabilité qui pourrait nous montrer que nous pourrions avoir un accroissement de plus de 50% en calcium dans le cas du millet des champs. Donc, cette biofortification, donc, se pourrait, par la promotion des variétés qui possèdent le plus haut contenu de calcium, le plus haut teneur de calcium. Comment y sommes-nous parvenus? Moyennant la collaboration des diverses institutions que nous voyons ici sur la carte. La technologie dont l'on s'est servi, pas dans l'industrie, la psychométrie des masses, et nous observons son usage dans l'application à des végétaux, et nous pouvons voir à combien d'endroits, par le biais de cette alliance pour la biofortification, où l'on possède ces équipements qui faciliteront tout. Et il est important de voir que nous avons besoin
Donc, nous recherchons des dispositifs de gestion simples. Donc, il suffirait d'avoir, pour ce faire, il suffirait d'avoir un ordinateur. Nous voyons comment pourrions-nous améliorer cette situation. On a développé ici comment chaque dispositif de l'équipement est développé et en travaillant en collaboration avec le laboratoire afin de pouvoir capter les variations sur ce rang du pathline, de la voie pour l'amélioration. Donc, nous voyons les améliorateurs, nous observons la variabilité génétique et de là, faire nos évaluations pour obtenir les résultats que je vous montre ici. Nous pouvons voir ici que 67, en 67, l'objectif était que l'univers des comparateurs disponibles pour les cultures commerciales de plus de 120 culture en Inde. Nous avons ici la collection et l'objectif d'amélioration qui est l'abortification du millet pour ce quoi on a tant investi. Donc, nous allons voir si toutes les cultures se trouvent en bas du rang signalé. En vert sont les variétés commerciales. Certaines d'entre elles ont 50 parts. Partie par million, mais en moyenne moins de 45%. Donc, voilà pourquoi nous devons continuer de travailler pour contribuer à sur toutes ces recommandations indiquant que la ligne de référence est de 42. Donc, la ligne d'amélioration principale, la bleue, dépasse 20%. Et avec cette variabilité, je vais vous montrer sur la prochaine diapo l'utilité qu'elle comporte. Donc, il est très important d'intégrer l'amélioration de ces traits. Donc, la mesure Fast Track est ici représentée. Nous sommes pour obtenir les résultats recherchés. Nous voyons si les graines, le mélange restaurateur, nous voyons ici comment la graine mère, par l'intermédiaire de différentes combinaisons, donne lieu à une amélioration rapide de la variété fortifiée et de même aussi la variété de pollinisation ouverte, donc de pollinisation libre. Donc, tout ceci toutes ces données sont extraites du germoplasme. En Afrique, nous voyons ici ce qui se passe dans le cas de l'Afrique, mais j'espère que bon nombre d'entre vous formeront des alliances dans cette région. Voilà les hybrides du millet fortifié en Inde, en Afrique, au Niger et au Nigeria. Et ceci sont inclus sur le doc. Cette information est incluse sur le document qui comprend plus de 15 pays d'Afrique. Donc, ceci nous indique que le potentiel pour la qualité est excellent et nous pouvons faire de 50 à 80% plus que les cultures importantes, l'accroissement est supérieur à celui d'autres cultures. Donc, c'est la mesure fast track, mais il faut travailler plus fort en ce sens pour que celle-ci devienne la ligne dominante de production. Ici, nous voyons la génétique et la stabilité des différents traits. Nous devons considérer ces traits quantitatifs sur la base des études effectuées dans ce domaine.
nous ont montré que nous devons considérer qu'ils sont plus pour les micronutriments, nutriments. Donc, cette capacité de répliquer, c'est très particulier et ceci est une composante très importante. Donc, c'est la constante sur laquelle nous travaillons et que nous pouvons inférer que cette interaction revêt une grande importance et nous permettrait de prévenir quels micronutriments s'en verront accrus. Les effets négatifs sur les rendements ne sont pas toujours reportés sur tous les matériaux de notre étude. Nous n'avons pas que de mauvaises nouvelles, bien sûr. Les études réalisées ont démontré que les plus grandes populations doivent être sélectionnées. Donc, il y a une énorme variation des génétiques disponibles. Comme je vous l'ai fait voir sur les diapos précédentes, il nous faut explorer ces variétés pour pouvoir identifier les caractéristiques nutritionnelles que nous devrons considérer les marqueurs, par exemple, de densité, et ainsi que les meilleures options disponibles. Qui devrait être la sélection se fondera sur tous ces critères. Il nous faut aussi le bénéfice en termes de rendement est très important. Nous vous montrons ici la référence des hybrides dans la production des variétés commerciales par le secteur privé et des bioportifiés, des hybrides commerciaux et ceux qui sont ici en vert. Les colonnes rouges indiquent également la viabilité. Donc, à Harvest Plus, nous travaillons avec un grand nombre de collaborateurs et nous avons développé la trajectoire que vous observez ici avec les partenaires pour le développement de graines. Et nous avons toute cette question ici représentée de la chaîne de valeur qui nous montre l'importance de la nutrition. Et tout en commençant, qui commence depuis la recherche sur les traits caractéristiques de la culture jusqu'à la table des usagers, il est nécessaire de développer des investissements dans cette matière. La chaîne d'acquisition est également importante et ceci a été normalisé dans la plupart des cultures. Voilà donc les cultures de millet, mais grâce à la fortification, un renforcement, ce sont les standards de disponibilité publique se sont accrus et on est en train de développer des normes sur ce point. Donc, la norme 2, 3, 4 pour les cultures améliorées. Donc, cette norme a permis la commercialisation et ceci est quelque chose de très important. Et ceci se concentre sur le contenu nutritionnel des grains et pas vraiment de la technologie dont l'on s'est servi. C'est une question peut être utilisée dans les chaînes d'acquisition où sont présentes toutes ces données. Donc, quel est l'impact que nous avons observé sur ces cultures? L'impact est notable, comme nous le voyons,
Au début, la consommation du millet perlé fortifié avec une plus grande haute teneur de fer, il s'agissait d'avoir un effet de 4 à 6 mois. Nous espérions obtenir un effet dans 4 à 6 mois. Et il y a aussi l'amélioration de la fonction cognitive, mais améliorant également l'activité physique et mentale. Et ceci est lorsque l'on consomme 80% des recommandations quotidiennes. Donc, ces chiffres impliquent dans combien de familles ont bénéficié de ces mesures et de ces avancements. Nous avons plusieurs alliés pour atteindre les objectifs poursuivis et mais ceci est inclus, figure dans les programmes appliqués à l'échelle nationale. Ces tests respectifs sur des traits exploités nous conduisent à l'obtention de produits compétitifs et comment prospecte important. Cette stratégie nous réfère un profil pour le produit de 60 ppm et 35 ppm de zinc. Et ceci représente 50% des buts poursuivis, surtout parce que les matériaux sont mobilisés parmi les groupes d'intérêt au niveau de la nutrition atteindra le niveau souhaité. On observe ici un bénéfice génétique et nous pourrons obtenir ainsi des marqueurs pour diagnostiquer une sélection de générations primaires. Nous voyons ici que chaque génération, dans chaque génération, nous avons dans le groupe pollinisé, nous pouvons sélectionner ici sur la ligne dominante et nous pourrons obtenir ici rapidement, comme vous l'avons observé il y aura une transition graduelle vers la ligne dominante. Donc, ceci nous vous permettra de tirer un produit dont la ligne dominante sera la fortifiée. Il y a plus grandes opportunités en ce qui concerne le micro. La nutrition est une caractéristique transmissible et considérée comme une caractéristique de maturité. Nous devons inclure les variétés les plus nutritives de la production de graines et d'échelonnement pour les producteurs et consommateurs n'a pas encore obtenu le niveau que nous souhaitons pour les produits fortifiés. Nous espérons que nos collaborateurs en Afrique pourront contribuer à un plus grand impact de ce produit. Cependant, nous sommes en train de travailler dans cette direction. Il est important de nous poser comme objectif la culture dont la ligne dominante de certaines cultures a besoin d'une amélioration, ainsi que d'autres variétés de médium, dont le sorghum, et qui devraient être posées comme objectif pour établir une ligne dominante en termes de nutrition. Ceci, nous parlons des programmes de pré-amélioration. De ces cultures, l'indice de priorité de fortification le développement des capacités est également très important. Pour ces lignes dominantes, dans l'atlas de nutrition du millet est une base de données où nous pourrions avancer et par moyennant la segmentation du marché et des études sur l'efficacité de ces mesures en Afrique. Nous avons besoin de plus grandes ressources plus abondantes pour ce faire. L'investissement public-privé dans le cas du millet
et ces alliances seront nécessaires pour la commercialisation des cultures, autant en Asie qu'en Afrique, la mobilisation de ressources pour les cultures en zone aride et pour les interventions sera faite par l'intervention en création de réseaux dans différentes régions. Le positionnement de variétés biofortifiées dans le développement des programmes de est important dans le problème de développement. Et surtout la question côté climatique, ceci ne sera ce qu'il y a de plus important pour nous pour potentialiser la capacité de production. Donc, la projection, ceci nous conduit à générer de meilleures opportunités. Merci à tous nos partenaires et merci encore une fois. Merci, Dr. Govindarajh, de cette intervention qui nous a plein d'intéressantes, qui ceci a donné origine à un très grand nombre de questions. Nous aurons suffisamment de temps pour répondre à toutes ces questions. Et pour le moment, je vous demanderai à Mariam de répondre à certaines de ces questions. Ensuite, je donnerai la parole à Harish Maringamagar. Mariam, vous pourriez une seule réponse. Quelle est la mérité de millet la plus importante? Une autre que je vais vous demander est pourquoi parlons du millet comme s'il n'avait qu'un seul millet? Et il nous faut plus d'informations pour différencier les différentes variétés qui ont différentes caractéristiques. La question qui m'a plu le plus est que, et tu as mentionné que le millet est une culture pour les femmes. Mais voilà, la question est que ce n'est pas particulièrement intéressant pour les familles urbaines où hommes et femmes travaillent. Donc, parce que la préparation requiert d'un investissement énorme de temps. Donc, voilà, dites-moi, réponds à ma première question. Donc, quelle est... Pourquoi le millet est si important et pourquoi parler du millet en général au lieu de faire allusion à leurs différentes variétés? Je crois qu'à partir de mon intervention, non seulement il y a une variété de millet qui est importante, tout dépend de la région. Pour nous, le millet perlé est important, mais si nous avons en Afrique d'autres régions de l'Inde, il y a d'autres variétés de millet qui sont prévalentes. Donc, quelqu'un ici disait que le millet n'est pas si attrayant pour les familles urbaines parce que sa préparation requiert de beaucoup de temps et de travail. Est-il vraiment vrai qu'il faut un investissement de temps si important au niveau familial? Je crois que pour l'instant, nous sommes à peine en train de mettre en marche au niveau des petits producteurs une initiative qui, peu à peu, nous l'espérons, pourra être mise en œuvre de sorte que la procédure soit plus accessible et que ceci puisse être cultivé un peu partout et qu'il ne soit pas toujours nécessaire de l'importer. Nous travaillons pour faciliter son industrialisation. Est-ce que vous parlez des marqueurs de système de sélection? Et tu as aussi parlé de la sélection à partir de marqueurs. Oui, très bonne question. Lorsque j'étais à ICRISAT, on y a développé ceci dans le cadre de la pandémie de la COVID et la libération des produits a été par le biais de programmes réguliers d'amélioration
nous avons vient de mettre en appliquer maintenant les marqueurs. Il n'y a pas vraiment un si grand nombre de marqueurs accessibles et ceux-ci ont servi qu'à la sélection des matériaux de production. Ils se sont servis surtout pour écarter certains matériaux qui avaient une faible teneur des éléments de zinc. Dans le cas du zinc et du fer et dans le cas du millet perlé, et aussi sur l'importance diététique. La coloration du zinc et de fer, est une relation productive dans le cas du millet et de bien d'autres cultures également. Il y a beaucoup de nutriments disponibles et non seulement dans la ligne de fortifiés, mais aussi dans d'autres produits et matériaux. Donc, je n'ai pas pu faire le suivi de les concernant les fibres diététiques. Et tout d'abord, nous parlons de haut contenu de fibres diététiques qui réduit la disponibilité de zinc et de fer dans le maïs, dans le cas du maïs perlé. Mais ceci, en général, ceci n'est pas une donnée toute plus spécifique et sur laquelle on n'a pas fait de recherche suffisante. Les recherches initiales de biodisponibilité ont reporté que 7 à 8 % du fer disponible et plus de 20 % du zinc est disponible dans le millet. Il n'y a pas de changement de cette disponibilité parmi les variétés biofortifiées. Cette disponibilité demeure la même parce que ceci fait partie de leur teneur naturelle, mais il y a beaucoup d'autres avantages lorsque sont remplis les objectifs d'amélioration. Mariam, tu nous as montré des photographies d'aliments déjà processés. Est-ce qu'on peut s'en servir en substituant le contenu de farine de blé? Est-ce qu'il y aurait des mélanges que l'on pourrait faire pour se faire? Oui, nous avons tenté de le faire dans le cadre de l'institution. Nous avons élaboré des farines de maïs avec blé, maïs et sorghum pour tous les mélanger et apparemment cela a fonctionné. Et quel pourcentage de farine de millet pourrait être utilisé dans ces mélanges? 60 % de blé et 40 % de millet. Donc, c'est un pourcentage élevé. Ma deuxième question est un peu plus controversielle. Le rendement du millet est relativement bas. Comment accroître le rendement, la production? Je parlerai ici. Les ceux qui travaillent sur l'amélioration dans la recherche, nous sommes à peine en train de commencer. Nous ne pouvons pas tout commencer du jour au lendemain. Nous espérons accroître au Nigeria ce rendement. Nous avons un grand nombre, trois variétés au Nigeria. Les changements seront graduels et nous sommes en train d'y travailler pour mettre en marche toute cette initiative. Rabindranath, Malingram, nous avons des variétés de millet ou en Inde, pourrait-elle couvrir la demande d'une diète appropriée pour la population et couvrir les besoins de la population qui s'accroît? Oui, le millet est consommé principalement dans les États au sud de l'Inde, où il y a des zones arides. Donc, tant pour le processing et l'élaboration des produits alimentaires n'ont pas encore couvert la demande qui est existante.
la demande courante. Nous espérons que les participations de la communauté des hommes d'affaires s'accroîtra et qu'il y a de nouvelles technologies qui pourraient être appliquées et des institutions qui sont consacrées à l'étude et l'étape postérieure à la récolte. Nous travaillons sur tout cela pour accroître la chaîne des valeurs et le processing et pour l'installation de variétés fortifiées. Donc, nous nous approchons donc beaucoup, nous sommes prêts d'obtenir un pacte qu'il nous faut pour fortifier nos productions en Afrique et en Inde. Nous sommes en travaillant avec au sein des communautés de production qui est ceci sera graduellement intégré au marché et représentera une nouvelle alternative de consommation. Quel est l'effet moyen de la biofortification sur la production en verre, comme nous l'avons représenté en verre sur notre carte? Donc, certains sont de 3 points. Nous avons comme 5. Tu dois nous dire sans doute qu'il n'y a pas de corrélation négative entre la biofortification et le rendement. Si la biofortification, si cette caractéristique ne diminue-t-elle pas la production? Cependant, il existe une tendance négative, bien que celle-ci n'est pas significative. Il y a des publications par plusieurs collaborateurs qui nous indiquent que ceci doit requiert d'une recherche plus poussée pour faire connaître l'incorporation de la ligne dominante où l'on prendra en considération simultanément la sélection ainsi que divers autres facteurs. Donc, je ne dis pas que le fait soit précisément négatif, mais ce genre de caractéristiques pourront être incluses dans les critères de sélection qui seront appliqués. Donc, tu as parlé d'une tendance négative, quoique pas vraiment significative. En tant que scientifique, je vous affirme qu'il n'y a pas encore de collaboration, de corrélation observée. Et ceci ne semble pas être un empêchement significatif. Ce que je veux dire dans le cas d'un des hybrides du secteur produit par le secteur privé, le produit a été commercialisé et nous avons observé une bonne part au marché depuis il y a environ 5 ans. Donc, ceci n'est pas si important en termes de biofortification. Maintenant, Harish, quel a été le soutien obtenu pour les programmes d'amélioration? Quel rôle joue le projet d'amélioration? Donc, merci de m'avoir posé cette question. Comme je vous l'ai fait voir, nous comptons sur nos collaborations avec divers pays, collaborant sur l'aspect de la capacité de production. Aujourd'hui, nous réunissons avec le comité d'étudiants pour faire connaître les nécessités de capacité de formation sur ce point dans la région. Donc, il s'agit d'une évaluation en termes d'investissement systématique et je crois que ce requerra un effort significatif parce que tout semble nous indiquer qu'il est nécessaire une plus grande inversion dans certains programmes et par le biais des programmes nationaux. Nous aurons aussi un soutien important du secteur privé. Une autre question. All the three are early.
Quelle est la caractéristique de maturité du sorghum? Il y a 73-75 jours. Il nous faut théoriser sur le... Mariam répondit, si oui, Harish, oui ou non pour les hybrides, oui, oui, bien sûr, ah, très bien, nous savons tous que vous arrêtez, que tout le monde a répondu que oui, est à faveur des maïs hybrides, les hybrides, évidemment, peuvent aider à l'amélioration de leur rendement, des rendements de la production. Donc, il y a un grand nombre de questions. Nous avons parlé des systèmes de graines. Comment pourrons-nous fortifier pour aider aux agriculteurs dans la production de diverses variétés? Ben, pour ce qui est, en ce qui concerne l'Inde, je crois que oui, avec le secteur public-privé, travaille sur ce point. En Afrique, il nous faut également travailler plus intensément sur les variétés de millet qui seront disponibles. Ce ne sont pas ceci ne requiert non seulement des systèmes de graines, mais aussi le développement de lignes pour que le système des graines, de production de graines puisse être renforcé parce que s'y requiert d'une charge continue de matériel, de matériaux génétiques. Merci. Nous ne disposons plus que de peu de temps. Je tiens de remercier les intervenants, Mariam Malingham et aussi Harish, nous remercions les intervenants et encore une fois, une toute dernière question. Si le millet est si important, nous savons pourquoi attendons-nous, avons-nous jusqu'à présent pour commencer à travailler sur toutes ces variétés de millet? Alors pourquoi ne l'avons-nous pas fait il y a 10 ou il y a 20 ans? Pourquoi ne l'avons-nous pas fait précédemment? Une autre question, que pouvons-nous faire pour accroître l'impact du millet? Et je crois que s'il fait partie des tâches que nous devons tous effectuer, que pouvons-nous faire pour améliorer et accélérer la production de millet pour promouvoir la sécurité alimentaire? Nous vous remercions d'avoir pris part dans ce séminaire. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à tous. Merci.